Arnaud. En fait, tous les lotiers, ils sont très forts en avantage. Mais malheureusement. Encore une fois, deux skins. Bien vénère. Bien cendré. Voilà. Les skins de métalleux. C'est parti, Martoche. Pour le set. Ok. Ça part bien. Ça commence très très bien pour Mytonak. Excusez mon billet léger pour ce joueur, mais j'aime beaucoup le voir jouer. Donc on a ce cher Fat Nuggets qui s'en sort plutôt mal. Qui va se faire edgeguard peut-être. Pas loin, pas loin. La reco de Bayonetta qui est incompréhensible pour les gens qui ne jouent pas le perso. J'ai compris que genre après The Hotbell, il pouvait ressauter ou je sais pas trop quoi, mais même. J'ai su, mais on oublie. Très bien. Qu'est-ce qui va se passer? Très bien, très très bonne edgeguard, je crois qu'il a tout prime. Fat Nuggets, c'est très drôle je trouve de le voir réagir lorsqu'ils font quelque chose d'un peu bête. Parce que ça se voit vraiment ça se voit dans sa tête, c'est très court en fait. Bienvenue Axio, qu'est-ce que t'as pensé de ton set? Moi j'ai trouvé merveilleux. Ouais, c'était stylé. Ouais. Et je suis désolé par contre, j'ai été cool pour Mutanax. Ouais. J'ai essayé d'être un peu nul. Non, en même temps tu parlais pas à cette époque, Ok. Non, en vrai, j'ai pas. Alors que Typhlot, dans Inocast, lui, on l'entend. J'ai essayé d'être plus pertinent, mais j'ai surtout parlé du point de vue de notre fan inferno régional, parce que pour moi, ça allait être un no match et t'allais l'écraser. En fait. Parce que Min. Ouais, ouais, j'ai trouvé vraiment qu'il utilisait ses options très très bien. D'ailleurs, son forward smash, c'est pas encore habitué, mais je pense. Ça se voit que tu peux le maintenir, et à un moment tu peux plus le maintenir. Oui. Et je pense qu'il y a le moyen de le faire en réaction avec le dumbbell. A chaque fois il a essayé de dribble le moment où tu allais le lancer. Mais pour moi, c'est sur l'avant-dernière game où justement j'ai chargé un smash en disant bah il va vite, il va attendre et il a compris, du coup j'ai attendu. Et... Ouais, je vois, bah, c'est vraiment ce genre de moment où pour moi le counterplay ça aurait été de juste attendre et de voir ce que tu fais. Ok, ça tue, très bien. Fat Nuggets qui peut encore remonter. Petit repositionnement d'écouteur. Il me semble. Ok, très bien. Là. Ok, il profite bien du ledge trap. Malheureusement, le B qui était un peu trop tôt. Ou alors en couverture d'option. Mais à ce moment-là, beaucoup de lag pour une couverture d'option. Ok, ça va peut-être tuer. Non, c'est pas encore la mort. Fait l'inferno. Ça a une reco étonnamment potable. Je vais pas dire qu'elle est bien parce que c'est pas vrai. Il faut garder son double saut. Mais là, attends, il a duré combien de temps ce super fait? Oh, il peut. J'ai rien compris. Il a dit, bien sûr, c'est militaire d'ailleurs. Bah, pour moi, les deux persos sont à peu près. C'est drôle dans un même part, même si pour moi, Bayo sera un peu meilleur que fait l'Inferno. Ouais, c'est bon. Donc, Félin, ce qui est. En fait, Bayonetta, le fait qu'il a son bomb day. Qui ouais. Fait que tu peux pas juste. Tu peux pas gagner en fait. Quoi. Ouais, tu peux pas dire c'est bon, j'ai gagné. Ouais. Mais tu peux pas, genre le. Même si t'as 3 stocks d'avance. Tu peux lancer des items de projo et il peut pas approcher comme genre Ganon. En vrai, c'est... avec le shit, tout bizarrement. Parce qu'en fait, ouais, mais ce que tu peux faire, impérer, en fait, le truc c'est que tu prends beaucoup de risques quand tu places son bombo. C'est le kill. Ça kill. Bah oui, bien évidemment. Oui, t'as pris kill, pire, ça kill toi. Ça kill à 30, donc ouais. T'as pris TC à un moment. Très mauvais choix de map, à mon avis. Parce que c'est une très bonne map pour nous. Ouais, mais les Blast Zones. Ouais. Donc, fait l'inferno, il grab. Enfin, il commande grab. De quoi? Ouais, mais d'un autre côté, c'était tendu, tu vois. Ouais. Bon, toutes les games étaient tendues. Ah, ça fait plaisir. On dirait qu'il passe un bon moment, Mutonax à gagner moi, en même temps. Moi, j'aime bien leur sujet, les bonnes ambiances. Mais oui. Alors que moi, on s'emmerde. Alors que Pachi. Pachi, il est trop dans le tryhard. Ouais. Après, je trouve, il est quand même. Merveilleux dans le sens où. Tu lui demandes des conseils, il a des conseils, tu lui demandes des avis, il a des avis. Il est toujours enclin à partager sa connaissance du jeu. Et il faut aussi ça dans une communauté. Autant à une personne qui aime jouer, c'est génial. Après, c'est un moment et tout.
autant dans l'optique de s'améliorer dans des tournois, vraiment avoir une personne que... Il y a 1-0 pour Pluto pour l'instant. Vraiment le fait qu'il y ait une personne qui te donne des avis objectifs sur ton jeu et sur son jeu. Enfin objectif, subjectif. Subjectif. Mais comprendre le point de vue des autres, c'est vachement cool. Je trouve Butonac c'est cool de le voir. D'ailleurs je pense c'est. Pas du tout bien pour Fel Inferno. Bayonetta, il pourra pas sortir des combos de Bayonetta grâce aux plateformes. Ouais, mais en même temps, mais d'un autre côté, est-ce que tu as des stands avec des plateformes? C'est juste un truc que j'ai fait. Ouais. Bayonetta en général. Bayonetta, c'est un. Waouh! Pas passé loin. Il a bien tenté. En fait, Fat Nugget, il veut trop être stylé. Alors, mais il joue pour le spectacle. Ouais. Quand j'ai joué contre lui, il voulait trop caser des phases de folie. Il a réussi à en caser une. Il a pas pris une game, quoi. Non, c'est pas. Là s'il y avait un air, je pense que c'est. Ah oui, ça va beaucoup. Des fois, faut accepter de faire des trucs un peu lame pour un peu gagner, quoi. Ouais, c'est. Moi, j'ai compris ça. J'ai compris depuis longtemps. Je vais pas dire perdre, c'est lame parce que c'est pas vrai. Mais tu peux perdre dans la hype absolue. Mais gagner, c'est mieux. Bah, moi, je viens pour m'amuser aussi. Parce que. Ouais. Venir pour juste gagner, ça change. Au final, on gagne pas grand chose. Ah, c'était. Tu vois, il veut trop de stylé. Du coup, pour le club, quoi. Du coup, pour le stream. Ouais, d'un autre côté. Moi, la dernière fois où il avait fait c'est beau. Phase, c'est beau. Phase énorme avec un bonheur à la fin. Là. C'est très beau de jouer pour le style, mais d'un autre côté. C'est bien perdre. Avec la musique de. Après, chacun a fait des trucs. Attends, d'où elle sort cette musique? C'est dans la série Mario? Enfin, je sais que c'est dans Mario et Luigi. Ah, oui. Ça colle. Mais il aime beaucoup Taunt. Il a Taunt. C'est pas grave. Il va se faire reverse. Faut se soigne. Bah. Oh non, tu dis ça parce que toi tu t'es fait reverse, mais ça va être dur, je pense, quand même pour Butonax. Je pense que les maps vont être très importantes dans le match-up. Très bien, ça tue pas. Mais c'est très bien. Il aime beaucoup Edgeguard. Et par contre, ça m'a fait. Oh, attends, il peut être là. Il veut trop se mettre. Ça m'a fait toute sa game. Ouais. Il a essayé de touch guard. Il s'est loupé. Il a voulu tenir. A chaque fois, tu te pendouillais. Juste qu'il fallait pas, tu vois. Et du coup, à un moment, il s'est bridé. Il s'est dit, bah vas-y, j'y vais plus. Parce qu'à chaque fois, tu récupères le stage control et on le frappe tout le désert. Allez, bah, parfait. Parfait. Allez. Et c'est l'avantage de récupérer. Et tu vois, ça rejoint ce que je veux dire. Je le répète autant que possible, mais il faut trop être stylé. C'est pas encore le film. Pas loin, quoi. Après, moi, j'aurais tenté un hop smash. Du coup. Ah oui, Butonax. Et ça tue. C'était quoi, ça? Ouais, mais après, tu vois, Butonax, il fait des trucs stylés, mais est-ce qu'il veut faire des trucs stylés? Parce que Fel Inferno, tu vois, quoi que tu fasses, ça va être stylé, voilà. Comme Falcon. Comment être stylé? Bah, tu vois, comment être lame avec Falcon. Si, c'est possible. En vrai, des Falcon lame, c'est cool. C'est juste, il a des coups très flashy et tout. Mais je trouve des fois quand un Falcon. En vrai, non, c'est chaud. C'est pas. Là. En fait, Falcon, tu vois, c'est lame dans les games où c'est pas serré. Si le Falcon il atomise l'adversaire, je trouve que c'est pas si fun parce qu'il va juste faire des uppers, des trucs. Il va caser son nid, mais genre ça perd même un peu de son sens le nid quand c'est trop simple à caser, je trouve. Ouais. Mais d'un autre côté, tu vas dire, à regarder, c'est stylé, c'est vrai. En soi, à regarder, c'est cool. Mais les matchs, les meilleurs matchs, c'est quand t'as deux persos qui font full corps à corps et tout. Ouais, pas forcément. Bah, tu vas voir un Kazuya. Un Kazuya ou même un. Kazuya, en vrai, c'est ça va, c'est stylé, Kazuya. Kazuya, oui, oui. C'est peut-être. Si on, oui, c'est stylé. Kazuya, c'est parce que c'est trop fort. Oui, c'est stylé, mais c'est, stylé. C'est un peu répétitif, je trouve. Bah, pas tellement. Hein. Bah, en fait, il va faire ses confirmes, mais. Non, je sais pas. Bien, Pour moi, c'est un peu comme Yoshi que tu as. Ça rempiche. Twitch piche. Ça rempiche. Je pense pas que c'était une bonne idée, mais. On va bien voir. Il gère. Bah, je trouve que ses combos sont pas opti. Il arrive à enchaîner 3-4 coups, mais pas assez pour moi. Me dis pas qu'il a pitch skin vert. Parfait. Ouais. Non, parfait. Parce que le skin vert est dégueulasse. C'est pas skin bleu, ça. Oh. Oh. Ça c'est. Je vais dire pourquoi il m'a pas mis ça et puis je me suis rappelé le personnage que je joue. C'est vrai. Le mec qui joue.
il n'aura pas des phases incroyables. Pat Maggett, il a tellement des... un niveau technique tellement bon. Ah, d'accord. Ses combos, Non, mais ses combos, ils sont pas frame perfect. Sinon, il marcherait sur l'eau. Yoshi, si tu le laisses pas de frame, il n'a pas. Ouais, mais... J'apprends pas mal de... Même des combos qui sont... Il est trop sur Yoshi. Si. Faut read la SDI. Si t'as Si t'as la DI et la SDI, c'est bon. C'est juste que moi je force vraiment mix up ma DI, mix up ma SDI pour vraiment jamais me le prendre. Et par contre, le truc de Yoshi, c'est que c'est vraiment le Le mytho. Oh les yeux, j'avais jamais vu. T'as pas vu? Mais si, j'ai vu. Mais du coup, j'avais pas compris. C'est fou. Effectivement, je trouve la référence très stylée. C'est la première fois que ça marque qu'il y a un navet maintenant. Si, non, je connaissais le navet. Je sais qu'il fait 30%. Mais par contre, j'avais jamais fait le lien avec Ditto. Moi, j'ai découvert par hasard qu'on détruit 30% dans des stats sur les dégâts de chaque effet de Ditto. Et en tirant tous les navets possibles. Je pense que ça va être mon sujet de grand oral, le bande de Butcher. Loi binomiale. Oh là là. La proba de sortir le Space. Et en vrai, c'est des maths, hein. Bah ouais, mais c'est des maths. Ça me fait trop chier, le sujet de grand oral, c'est galère. En fait, t'as trop l'embarras du choix. Et il faut pas que ce soit trop galère. Moi, j'aime bien les maths, hein. Ouais, je suis d'accord. Genre, jusqu'à peut-être mi-seconde, c'est bien. Ça dépend, tu fais quoi moi, à partir... Dès qu'ils introduisent les fonctions... Et ouais, fonctions X, F de X... C'est chiant. Même si, en vrai, F de X, c'est un peu une question de par cœur, mais c'est vraiment... Tu redistribues les cartes, en fait, F de X. Genre, tu dis, à partir de maintenant... C'est vrai. Taunt. Non. Après, il a un taunt automatique après son coup. Ouais. Non, je pense que c'est la Glutonax qui a 3-0 son adversaire. Mais les résultats. Oh là là. Fat Nuggets, essaye de jouer lame, s'il te plaît. Arrête d'être stylé. On met les résultats.